bien, salut tout le monde, c'est Ryu, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu sensible, c'est le changement de jeu de ma chaîne. Alors, comme vous savez, depuis toujours je parle un petit peu de changement de jeu, que j'étais une chaîne un peu multigaming, etc. Et donc du coup, j'ai retéléchargé Black Ops 3 et en tombant sur... j'avais déjà commandé la bêta de BO4. Et du coup, qu'est-ce que je suis tombé sur le... Sur le pack édition... de folie, donc c'est l'édition, donc vous voyez un petit peu à droite ce qui permet de gagner et je vais l'acheter tout simplement. Pourquoi? Parce que l'évolution de ma chaîne, donc oui la chaîne va évoluer, je risque de passer forcément en streaming sur du BO4. Donc ce sera une chaîne où il y aura beaucoup de streams parce que bon voilà, je pense que il y a de l'avenir dans le streaming, etc. Et puis ça me plaît surtout de faire du stream. Sur Fortnite il n'y a pas grand chose à faire, mais bon. Du coup voilà, petite évolution de la chaîne, on va passer sur BO4, je resterai aussi sur Fortnite Sauver le Monde avec tout ce que les nouveautés qu'ils vont apporter. Je sortirai quelques vidéos par-ci par-là de tout ce qui est nouveau et je ferai beaucoup de streams. Voilà, donc du coup on va acheter le pack et puis on se retrouve juste après pour voir ce qu'on a gagné. Voilà, pour le coup c'est acheté. 140 € claqués et maintenant on peut plus qu'acheter le Black Ops 4 de base. Bon, on va pas le racheter vu qu'on a l'édition de folie. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer, pour ceux qui veulent, pour la fin de vidéo, ceux qui veulent les voir mes stats et tout ça, on y va. Pour les autres, merci d'avoir regardé la vidéo. Du coup pour mes stats, alors je sais plus trop où est-ce que ça se trouve parce que à vrai dire ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Call of Duty. Voilà, donc c'est ici que ça se passe, ma caserne. Donc voilà, donc j'ai un ratio de 1,5. Voilà, j'ai eu une nuque. Bon, j'étais pas du tout un mec qui faisait des nuques, moi, pas du tout. Donc j'ai eu une extermination, donc c'était quand même pas mal. J'étais pas un gros joueur de PvE, mais voilà, j'ai quand même eu quelques petites belles médailles, quelques belles petites parties. Donc ça c'est pour ma partie PvE. Et pour la partie zombie, là où j'ai fait énormément de zombies, j'étais prestige 7, donc niveau 10. C'est toujours pas fini, hein, parce que bon, je compte encore rejouer en attendant de recevoir BO4. Et j'avais quand même 6 jours de jeu sur le zombie. Du coup, ce qui va se passer, c'est que si vous kiffez le Black Ops 3, vous aussi comme moi, zombie plutôt, parce que multi je suis moyen, mais en zombie il y a moyen que je vous sorte des petites vidéos de, parce que je risque de refaire des records et tout ça, enfin des records ça a déjà été fait, mais je risque de faire des scores de map et tout ça, ça sera pas mal, ou des petites astuces, des petits trucs comme quoi, pourquoi jouer de telle façon, etc. N'hésitez pas, on va rester toujours dans le tuto. Voilà, donc c'était tout pour cette petite vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao l'équipe.